Alors, en hébreu, on nous dit souvent que le verbe connaître, yodéa, la date, est un verbe qui a une dimension également sexuelle. Et c'est intéressant parce que dans la philosophie jérémienne que je défends, la connaissance n'est pas de l'ordre de l'héritage culturel, mais de l'hérédité. Et donc la connaissance par le sexe, c'est bien une transmission par l'hérédité, par la génétique, et non pas par le savoir. Or, c'est exactement ce que nous dit Jérémie 31. On ne transmettra plus simplement les commandements par le biais d'une éducation, une connaissance au sens premier du terme, là, voilà, faut apprendre, il faut connaître, mais par le biais de l'hérédité, qui est l'autre sens du verbe connaître. Et donc c'est intéressant que sémantiquement, en hébreu, connaître au sens biblique, comme on dit, c'est une connaissance par le sang, par l'hérédité, et non pas par l'éducation. Et c'est exactement ce que dit Jérémie, tu n'apprendras plus les choses par l'héritage intellectuel, culturel, mais ça sera gravé en ton cœur. Voilà, on ne peut pas mieux dire.